Wesh les meufs, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour combler mon manque d'amis, j'ai fait appel à Youssouf, mon mari, super mari. Sur Instagram, vous m'avez demandé une autre vidéo avec lui. Du coup, je vous ai laissé choisir et vous avez choisi en majorité qui de nous deux. Donc j'ai toutes vos questions, qui de nous deux. Et c'est tout, c'est parti. Ah non, je voulais vous dire un truc aussi, abonne-toi déjà si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne. Et ces deux derniers jours, il n'y a pas eu de vlog. Ces deux derniers jours, il n'y a pas eu de vlog, mais j'ai quand même filmé plein de choses pour vous faire un vlog mardi qui soit plus long. Et ce sera un vlog sur le thème de l'amour. Bref, c'est parti, vos questions tout de suite. Tu fais quoi? Je voulais faire comme toi. En pyjama pour cette vidéo, on est en pyjama. Qui de vous deux est le plus amoureux? C'est moi. J'ai mis Ooms, il a mis Youssouf. Elle dit ça, mais moi je suis très intentionné. Mais c'est pas. Là, on a dit amoureux, on n'a pas dit amoureux. Bah oui, mais. Prochaine question. C'est de l'amour. Qui de vous deux. Eh, vous avez abusé. Qui de vous deux mange le plus? Logique. Non, je suis seulement la plus gourmande. Qui de vous deux est le plus susceptible? Eh, c'est dur hein, de mettre son ego de côté. Hein. Elle est susceptible. Je suis hyper susceptible. Ah, mais je fais des efforts. Non. Et je me suis rendu compte qu'en étant moins susceptible, on avance plus. Parce que par exemple, la dernière fois, je vous ai demandé de me dire ce que vous aimez pas dans mes vidéos. Et j'ai eu plein de critiques. Des critiques qui m'ont servi. J'ai tout noté. Et après, j'ai fait un vlog. C'était le vlog de la friperie. Et j'ai eu des bons commentaires sur les trucs que j'essaie d'améliorer. Et j'étais contente parce que j'ai pas été trop susceptible. J'avoue, le soir, j'ai parti voir Youssouf. T'as vu ce qu'ils ont dit sur moi? Non, je rigole. Mais je dis, ouais, t'as vu, je l'ai pas mal pris et tout. Je fais des efforts. Qui de vous deux est le plus jaloux? Quoi? Quoi? Jalouse? Non, non, sois honnête, sois honnête. Il faut être honnête dans les vidéos comme ça. Hein. C'est toi. Hein. Mselem, tu es super jalouse. T'es hyper jalouse. T'es méga jalouse. Fou. Mais Mselem. Mais je suis jalouse des trucs. Oui, c'est vrai. Je suis hyper jalouse. Non, mais je suis pas jalouse en mode possessif. C'est mon mec, tu le regardes pas, tu lui parles pas et tout. Aidez-moi. C'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Je suis jalouse de tout. Non, je suis pas jalouse. Si, t'es super jalouse, je me sais. Oui, mais faut pas qu'elle croie que c'est genre jalouse amoureuse. C'est dans ma nature, je suis jalouse. Voilà. Mais si, t'es jalouse amoureuse aussi. Mais vas-y, toi, tu me trouves jalouse comme meuf. Je prends ton téléphone, je fais des trucs comme ça et tout, franchement. C'est ça la jalousie. Mais alors, il y a différents types de jalousie. La jalousie mignon. Allez. Mais c'est pas mignon, allez, non. C'est quoi alors? C'est de la jalousie mignonne, franchement je vous dis la vérité. Alors si on se balade comme ça tranquillement, à Zara, hop, comme ça. Et ensuite il y a une vendeuse qui me dit: eh mais j'aime trop vos chaussures ou j'aime trop votre t-shirt. Elle me dit à moi, et je lui dis ok merci, super, tu prendrais comment? Elle a le droit d'aimer tes chaussures. J'ai vu une veine à ce niveau là. J'aime pas les... Eh, moi aussi j'ai pensé à ça. Quoi? Je te jure. Une veine? Ouais. Ah ouais. Qui ressort genre dans ma tête. Qui de vous deux pète le plus? Bah écoute Ah oui, voilà, écoute, je suis une usine à paix. Je sais pas pourquoi, c'est un truc qui fait partie de moi. Et le pire c'est que j'aime bien. Donc 24 heures sur 24. J'insiste. Non mais parce que non, attends. Une fois j'ai fait une story. Attends. Une fois j'avais une story. Une fois j'avais une story sur Insta. Je parlais normal, je parlais d'un truc de ouais les meufs et tout. Et là lui un hyper gros P, ça fait. Et on a grave entendu dans ma story. Et tu sais quoi, je vais retrouver la story. Non, mais attends. Non. Attends. Non, mais arrête. Souvent, je dois refaire des stories parce que je l'entends péter. Et franchement, c'est juste parce que je suis sympa. Je veux pas lui faire honte sur ma chaîne. D'accord, ok, super. Vous avez des doutes sur moi. Mais vas-y, lui, je veux pas lui. Non, mais elle pète. Quand elle dort, qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? J'avoue, mais qui s'est déjà fait réveiller par son propre père? Ouais, j'avoue, ça m'arrive de temps. Non, c'est grave, c'est grave. Non, c'est grave, c'est grave. Moi, je m'endors, je suis en plein endormissement. Mais non, c'est pas ça! S'il te plaît, je suis en plein endormissement et j'entends un bruit sourd. Un bruit sourd venant de sous la couette. À ce moment-là, elle sursaute. Genre, un jour j'avais fait des gens super fort et ça m'a réveillée. Et j'ai dit oh, j'ai peur qu'il y ait quelque chose. Bref, arrêtons de parler de mes flatulences. Qui de vous deux gagne le plus d'argent? Ok. Qui de vous deux
Hein, franchement, cette question-là, elle a ni queue ni tête. En fait, cette question-là, on travaille ensemble, donc on gagne le même argent. C'est pareil. Voilà. Qui de vous deux est le plus souriant? Eh, mais vas-y, sur moi, il n'y a que des trucs négatifs. Oui. Qui de vous deux est le plus fou? Oh, vas-y, putain, t'es un mytho. T'es un mytho. Toi, moi, je suis fou, moi. Toi, t'es fou de quoi? Moi, je suis fou, hein. Qui de vous deux est le plus romantique? C'est moi. Ouais, moi, je suis romantique. Elle est super. Elle prépare des petits déniers aux chandelles. Sans chandelles. Ça se fait pas. Qui de vous deux boude le plus? Moi, hein. Eh, moi j'aime trop bouder, hein. Activité des fois, je prévois les jours où je vais bouder. C'est elle comme a des planning boudage. Ouais, planning boudage. Qui de vous deux est le plus bavard? Parle le plus. Il s'arrête jamais de parler. Il parle trop. Moi j'ai besoin de temps de pause. J'ai besoin des fois des moments de calme. Tellement il parle trop, des fois je lui dis juste j'ai besoin d'un temps calme. Je vous jure, c'est vrai. J'ai besoin d'un temps calme. Mais t'es pas à la crèche pour avoir des temps calmes. Non, j'ai besoin d'un temps calme. Et pendant 20 minutes, eh ben, je parle pas et je veux que personne ne parle, je veux pas écouter de musique, je veux juste être dans mon calme. Un de nos premiers rendez-vous, je lui ai dit, vas-y, raconte-moi une histoire. Je vous jure, pendant 3 heures, j'en ai pas placé une. J'ai pas dit un seul mot, hein. Il m'a raconté des trucs. J'avais plus de souffle. Il parle trop. Mais franchement, j'étais grave, j'étais comme ça, j'étais... Oui, vas-y, dis-moi. Et maintenant, si je te raconte une histoire de 3 heures. Flemme, frère. J'ai pas le temps. Hein. Qui de vous deux a le plus d'amis? Franchement, moi. C'est... Et en plus, j'en ai pas beaucoup. Hein, ouais. Alors. Qui de vous deux est le plus peureux? Moi. Évidemment, à la peur de tout. Non, tu as peur pas... des lézards? Tu as peur des poissons? Tu as peur de l'eau? Non, j'ai pas peur de l'eau, j'ai peur des poissons, des méduses. Et des méduses. Qui de vous deux s'énerve le plus vite? Eh mais cette vidéo, oula, y'a rien qui va pour moi. Moi, je m'énerve vite. En fait, si un truc m'énerve, ça va trop, j'ai pas de patience. Je retrouve pas mes affaires par exemple, et je cherche un truc, oh je pète un câble. Mais je pète un câble sur moi-même, hein. Mais je pète un plomb, jusqu'à là je le retrouve. Qui de vous deux dort le plus? Je souffre à 100%, moi je dors pas beaucoup. Mais maintenant t'as vu, je me suis amélioré, je dors pas beaucoup. Oui, c'est bien. Je dors plus beaucoup. Eh, t'es sérieux ou quoi là? T'es une goût. Tu vois la vidéo, elle dit, moi j'aime le jus d'orange, quoi. Dit, oui, on est content. Tu connais ou pas? Non. Bref. Qui de vous deux est le plus intelligent? Bah pense, tu mets toi, je mets moi maintenant. T'es une ouf, toi. Non mais intelligent, ça dépend de quoi, hein. Bah pas, je me mets, voilà. Bah moi aussi, mais je me mets à mon propre, hein. Bon, dedans. Non, qui de vous deux le plus intelligent? On est tous les deux intelligents, mais on n'a pas les mêmes... on n'a pas du tout les mêmes compétences. On se complète totalement sur les compétences. Oui. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Ouais. Qui de vous deux dépense le plus d'argent? Bah... franchement... vous voyez tous mes hauls. Voilà. Non, qui de vous deux dépense le plus d'argent? Bah on peut dire que c'est moi. Ouais. Mais... j'épargne aussi. J'épargne aussi. Ah oui. Qui de vous deux est le plus sportif? Moi. Moi. Quoi? Je rigole, c'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. Ah, en fait, c'est un mytho. Non, mais je peux remonter 10 ans en arrière, c'est pour ça. Mais non. On parle de maintenant. Et le mytho. Non mais c'est sûr que c'est sûr et certain que 10 ans en arrière. Mais pourquoi tu remontes? Pourquoi tu remontes 10 ans en arrière? Bah dans ce cas-là, on fait qui de vous deux le plus en retard à l'école? Bah ok. Vas-y, qui de vous deux est le plus en retard à l'école? Toi. Je n'ai jamais été en retard. Jamais. Au grand jamais, jamais. Je déteste les gens en retard. Les gens en retard, ils me zèrent. Moi je suis une personne très en retard. Toujours en retard, mais jamais à l'heure. Et à cause de lui, depuis qu'on vit ensemble, il y a des endroits où je vais où je suis en retard. À cause de lui. Une fois, j'étais arrivé en retard, mais en retard de un jour. Vas-y, raconte ça. Parce qu'en fait, mes potes, ils sont venus, ils ont sonné à ma porte et ils m'ont dit descends, viens, on va jouer. C'était à l'époque où j'étais jeune. Tu comprends ça, s'il te plaît? Parce que je suis très jeune quand même, hein. Faut arrêter de se mentir. Non mais à l'époque où j'allais jouer avec mes potes, et du coup ils m'ont dit viens sortir avec nous. Et je leur ai dit ok, bon je vous rejoins à 16h30. Je suis venu à 17h du lendemain. C'est vraiment vrai. C'est vrai. C'est un ouf.
Qui de vous deux est le plus chiant? Bah moi je suis pas d'accord. Bon, tu sais quoi? Moi je suis pas d'accord. Moi c'est toi. C'est toi le plus chiant. Toi t'es chiant. C'est simple. C'est moi qui dis chiant. Franchement t'es chiant. En quoi je suis chiant? Bah tu me dis que c'est moi. Franchement je suis chiante. Des fois je suis chiante. Non mais ça va. Ça va. C'est chiant mignon. Franchement. C'est chiant mignon. Parce que en fait quand elle est chiante, ensuite elle s'énerve etc. Et ensuite je la laisse pendant 10 minutes. Et 10 minutes plus tard elle vient et fait désolé. En fait j'ai un vrai problème. Si ça se passe pas comme j'ai prévu dans ma tête, je suis chiante. Il y en a une autre. Qui de vous deux fait le plus de surprises à l'autre? Bah moi. Ouais. Incapable de faire une surprise, je souffre. Incapable. C'est pas pareil, c'est que dès que je fais une surprise, ça foire. Donc au final, j'ai abandonné. En fait, il oublie de faire des surprises. Il me dit, ah ouais, quand des fois je fais une surprise, je dis, bah tu vois, t'aurais pu le faire et tout. Il me dit, oui, mais j'y ai pensé, mais je l'ai pas fait. C'est l'intention qui compte. Non mais non, c'est pas l'intention qui compte dans ce genre de truc. Qu'est-ce que mais tu me dis toujours que l'important c'est de participer. Quand je perds, je dis ça. Ouais, quand tu perds, c'est vrai. Pète au lit, MDR encore pète. Qui de vous deux est le plus organisé? Bien sûr... Moi. C'est moi. J'organise tout, 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 comme ça. Si on doit aller quelque part, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et si c'est pas comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, je suis chiante et susceptible. Prochaine question. Non, c'est vrai que t'es super organisé, t'as un cahier pour tout. T'as un cahier pour tout en fait. T'as un cahier pour ta vie quotidienne, t'as un cahier pour la vie professionnelle, t'as un cahier pour tes soins, t'as un cahier pour... Non, j'ai pas un cahier pour mes soins, t'as un ouf. Pour couper tes ongles de pied, t'as un cahier... Je savais qu'à partir du moment où il allait dire ça... Et aller beaucoup trop loin. Qui de nous deux a le plus de style? Bah franchement, la question ne se pose plus. Maintenant j'ai changé mon style. Je suis... Mais ils ont jamais vu ton style. Stylé. C'est pour ça que je peux dire ça. Parce que personne n'a jamais vu mon style. Bref, on a répondu à trop de questions là. Franchement, je voulais que vous appreniez à me connaître pendant ces vidéos là de ce mois-ci. Youssouf, c'est la personne qui me connaît le mieux au monde. Vraiment, genre, il sait tout de moi. Il sait tout. Il me connaît par cœur, mes réactions, comment je suis et tout. Et c'est vrai que c'est dur hein, à son ego de dire ouais, je suis susceptible, je suis chiante, je pète beaucoup, je fais ci, je fais ça. C'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Franchement, ça a été, cette vidéo, elle a été dure. C'est dur. Mais vu que j'ai décidé de ne plus être susceptible, ce n'est pas grave. Non, je rigole. C'est pas grave. Au moins maintenant, vous savez des choses que vous ne saviez pas avant. Veux-tu ajouter quelque chose pour conclure cette vidéo? Ratatata. Ok, on se rejoint à la prochaine vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Attends, parce que ça me rappelle, bisous. Ça me rappelle le truc de TikTok là. Ça me rappelle le TikTok. Quoi? Tu connais pas le TikTok là? Non. Mais si. Pouloubou, papa. Ta. Et en fait c'est la première chose qui me suis venue à l'esprit. Donc je suis désolé. Mais attends. Tu n'avais que ta chance. Attends. Putain, tu veux que tout le monde se désabonne. Mais il a l'air beau ton pied, c'est pas la vérité. Mais c'est si il est beau. Bisous les filles. Ciao ciao.